à la fois, mais on pousse une grande surface sur laquelle il y a des épinglés. C'est important que l'écran d'épingle soit accessible soit par en avant, soit par derrière, parce qu'on est constamment en train de modifier la longueur des épingles. Donc, c'est un peu, en principe, l'invention de l'écran d'épingle qui a été fait par Alexiev, qui était lui-même une sorte de graveur ou d'imprimeur. Donc, on, à l'imprimerie, une lettre de plomb, on a automatiquement l'empreinte de l'objet, de la lettre. Donc, autrement dit, automatiquement.